Mais on commence par le mystère de la Grande Pyramide, le mystère de sa construction en tout cas, qui est peut-être enfin levé. L'architecte Jean-Pierre Houdin, en collaboration avec les ingénieurs de Dassault Systèmes, est parvenu après 8 ans de recherche à modéliser les structures internes de Khéops. À partir de là, il a élaboré la première théorie qui explique intégralement la construction de la pyramide. On s'est dit qu'on avait envie de produire un spectacle d'un genre nouveau, un spectacle en 3D temps réel, interactif, pour emmener en fait les gens dans un voyage dans le temps inédit, en utilisant à la fois les technologies du relief, du temps réel, c'est-à-dire manipulé par une personne qu'on a appelée un 3G, un manipulateur en fait de ce monde 3D qui nous balade donc en Égypte il y a 4500 ans, et on découvre en fait avec Jean-Pierre cette pyramide se construire devant nos yeux dans un monde en 3D. Du haut de la géode, 40 siècles vous contemplent. C'est une expérience exceptionnelle et unique ce soir à Paris. Un voyage interactif sur le chantier de la pyramide de Khéops en Égypte. Dassault Systèmes donc à l'assaut du mystère de la Grande Pyramide. Cette version très surprenante, Carole Laporte-Mani, est à mettre au compte d'un architecte français qui a présenté sa découverte hier à la géode. Pour valider sa théorie, l'architecte a travaillé avec Dassault Systèmes, le spécialiste des logiciels 3D. La reconstitution est époustouflante. On peut aussi télécharger le logiciel sur les www.3ds.com. C'est la même chose, mais évidemment sur un ordinateur, c'est un peu moins spectaculaire.